C'est au cœur de la nature hostile du sud de la Thaïlande que 14 volontaires accroient leur petit confort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Se lancent le défi le plus incroyable de leur vie. Survivre avec le strict minimum et devenir de véritables aventuriers. Bon, les gars, viens, on essaye de pêcher, quoi. Tu crois que je m'appelle Mowgli ? Répartis en équipe de deux, les apprentis aventuriers sont loin d'imaginer ce qui les attend. Oh la vache ! Ouais, ça va être dur, en fait. Maëva, la belle Marseillaise au tempérament de feu, va devoir faire équipe avec Greg, un duo explosif pour le meilleur et surtout pour le pire. Ils sont l'équipe rouge. Tricia, plus habituée aux boîtes de nuit qu'à la vie en pleine nature, est venue relever le défi avec l'inimitable Vincent, alias Shogun Tonight, son ami de toujours. Ils sont l'équipe orange. C'est nous ! Sébastien, le beau gosse célibataire made in America, revient bien décidé à remporter la victoire. Et pour y arriver, il va devoir allier ses forces à la très jolie Natania, elle aussi célibataire. Ensemble, ils forment l'équipe noire. Nous les noirs, on est des guerriers. C'est très sûr de lui que Ilan se lance dans l'aventure, mais pour lui, la survie ne sera pas le seul défi à relever. Il va devoir former une équipe solidaire avec son ex, Ilona. Ils sont l'équipe blanche. Marvin le guerrier est venu déterminé à relever tous les challenges, mais pas seulement. C'est en effet avec l'espoir secret de reconquérir le cœur de son ex, Maëva, qui se lance dans l'aventure. Ensemble, ils sont l'équipe jaune. Sarah est venue dans la compétition avec la ferme intention de montrer à tous de quoi elle est capable. Elle va devoir faire équipe avec le beau Jonathan, célibataire tous les deux. Ils ne se connaissent pas, ils sont l'équipe rose. Très bien. Sarah, quel est notre métier ? Cynthia, la princesse venue du Liban, s'apprête à vivre l'expérience de sa vie loin des strass et des paillettes. Et pour surmonter cette épreuve, elle va devoir compter sur son équipier, qui n'est autre que son ex, Anthony. Malgré leur rancœur, ils vont devoir former l'équipe bleue. On va tout donner ! Qu'ils soient heureux ou désespérés par leur binôme, c'est ensemble que les apprentis aventuriers vont devoir faire face à l'adversité. C'est la dèche. Tu me laisses crever de fer. C'est une catastrophe. J'en peux plus. Tu veux la sonner, va la sonner, ta cote. Ne craque pas. T'en es marre. Mais ça va s'arrêter quand? Qui n'a pas mangé? Ah ouais. Rien. Moi j'ai mangé. Et ce n'est vraiment pas gagné. Continue. Une fois par semaine, les équipes vont s'affronter lors des grandes épreuves dans l'espoir de remporter les précieuses perles. Presse, dommage. Faut pas négocier une en plus. Non. Ces perles leur permettront d'acquérir de la nourriture et du confort chez l'épicier de la plage. Il y a des frites, mais... Mais prends oignon, tomate, carotte. Comment ça, il y a combien la tasse d'un 40 perles pour le poulet. Pour échapper à la redoutable élimination qui les guette chaque semaine lors de la grande cérémonie des votes, toi, ferme ta bouche. Les apprentis auront la possibilité de remporter ma protection en sortant vainqueur de l'épreuve de l'expédition. Allô, c'est bonjour. Pour ceux qui n'auront pas cette chance, chaque semaine, les deux équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elles devront combattre en duel. C'est dans la tête. Pour les perdants de ce duel, l'aventure s'arrêtera sur le champ. C'est mort ? Enfin, c'est ce qu'ils croient. Car cette année, sans que personne ne le sache... Je vous envoie faire vos preuves sur la plage de la dernière chance. Les perdants des duels seront envoyés sur la plage de la dernière chance. Aidez-nous ! La solitude totale ! Une plage hostile, aux conditions de vie extrêmement difficiles, sur laquelle les éliminés devront plus que jamais faire leurs preuves. Survie. Solitude, épreuve, élimination. Sur cette plage, une seule consigne, tenir bon. Car à la fin de l'aventure, l'une des équipes encore présentes sur cette plage aura la chance de réintégrer la compétition directement en finale. Hein ? Un retournement de situation qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Tu as perdu. Vas-y, viens. Ferme-la. Laisse ta dame. Arrête de parler avec moi, voilà. Pardon. Tu veux que je te dise en quelle langue ? Vocal. Tu ne parles pas comme ça, Marvin. Et on va tous vous sortir un pain. Ah ouais ? Oh, happy day. Durant plus de 20 jours, les apprentis aventuriers vont se découvrir solidaires, stratèges. Attends. Quoi ? Qui t'a dit ça ? Je balance pas. La vie de ma mère. Tu dois arrêter de me calculer. Non, je te calcule jusqu'à la fin de l'aventure parce que je t'aime. T'inquiète pas. Et certains vont même trouver l'amour. Tu vois la vie en rose.
La chose la plus dure que j'ai dû encaisser dans ma vie, ça a été de perdre avec elle. Voyons, j'ai juste une envie, c'est de la récupérer. Mais pour tous, l'aventure sera celle d'une vie. Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères. Eh ben, bon courage. De tout faire pour Maëva, mais rien ne va. Oh, je me suis cassé le cou. À couper, c'est pas le milieu de mon. À chaque fois, il va en faire casse à tête. Parle pas avec moi, parle pas il avec moi. Ta... Ah et clairement, l'aventure, elle commence vraiment mal. Mais essaie de prendre cette fois, s'il te plaît. J'arrive pas à lui en vouloir parce que cette fille, quand même, Maëva, je suis attaché à elle. Mais est-ce que je peux? Non, tu peux pas, arrête. J'ai pas dit. Maëva, c'est une princesse, on le sait, hein. Non. Je crois que voilà, j'ai tendance à me mentir à moi-même, mais quand je le vois, ben les choses reviennent. Ça prend dans mes bras, ça me fait kiffer. Ne laisse pas surtout Ilan te manipuler. Cynthia qui est avec Ilan depuis 2 mois. Et... Moi, je me suis senti manipulé. Vous mentez tous les deux. Quoi? Et moi, je mens pas. Hein. C'est le plus grand manipulateur. Pense à toi, s'il te plaît. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, là? Pense à moi, là. Encore une fois, elle pense qu'à elle. Des apprentis aventuriers, il va falloir gagner des perles. Première épreuve des perles. Épreuve du parcours du combattant. Oh, attention, 3, 2... Des problèmes, là, Cynthia, tout de suite sur le côté. Partez. Bam, bam. Allez, Cynthia, allonge les jambes. Si elle continue comme ça, c'est les premières. Allez, Cynthia. Bravo, Cynthia, c'est bien. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment qu'on est bon. 1 minute et 37 secondes, vous passez en premier. Mais moi, je suis pas encore passé. J'espère qu'ils vont pas gagner parce que moi, j'ai pas envie de perdre contre Cynthia. Pour l'instant, en tête, les bleus. Suivi des jaunes. Suivi des oranges. Suivi des rouges et enfin des noirs. Et on passe tout de suite à la 6e équipe. Les blancs. Courage, allez chérie. Ilan et Ilona, c'est le moment. Allez, papa. Ça y est, c'est le moment. La première épreuve de Moundir. En plus de ça, c'est la première occasion de choper des perles. Et moi, j'ai la dalle. J'ai très très faim. Les blancs, les bleus viennent de prendre la tête. Vous l'aurez compris. Il faut battre 1 minute et 37 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai un petit peu la pression, mais je reste concentré. J'ai confiance en moi et moi, j'ai pas envie de perdre contre Cynthia. Donc, le parcours du combattant, il est pour moi parce que je suis un combattant. Attention, 3, 2, 1, go! Allez! Viens ça! Allez! Oh la vache! Bam! Je me mets dans l'eau! Je respire et je vois que Ilona, on est quasiment au même niveau. Allez, ça sort, la poutre maintenant, c'est bien Ilan. Allez. Allez, doucement, concentrez-vous. Allez. Attention, il y a le temps quand même, hein. C'est bien Ilona. Je fixe le gong et je me dis pizza, Ilona, perle manger. Moi, c'est ma plus grande faiblesse ici, c'est la nourriture. Donc il faut que je gagne, il faut que je mange, sinon je ne tiendrai pas. Allez Ilan. Allez Ilona. Attends Ilan, attends. Regardez maintenant Ilan. Allez. C'est bien, Ilona, c'est bien, c'est un travail d'équipe, ça! Ah, mais faut gorrer avec leur truc de l'équipe. Ah, j'ai les boules, tout simplement, parce que nous, on l'a fait en mode warrior. Moi, personnellement, j'ai signé pour Moundir et les apprentis aventuriers, pas pour Moundir et les apprentis omelettes. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Porte quoi, finalement, n'importe quoi. Allez, va frapper avec le maillet! Ilona qui finit en premier! Tout de suite, t'as mis le maillet! Go! Ouais, stop! Validé! Bon ça, alors. Pour moi, en ce moment-là, je me dis ce serait bien si on peut rester quand même premier, et surtout contre Ilan. Ilan m'a fait vraiment mal, et peut-être qu'il se sent très bien aujourd'hui.
Mais moi, je me sens pas du tout bien. Si avec nos différences de sentiments, je peux lui prouver que je peux gagner, ben c'est une très grande victoire pour moi. Je suis explosive. Pour votre temps, écoutez bien. Vas-y. Une minute. Et 11 secondes, vous êtes les premiers. On passe en pole position. Maintenant, j'attends de voir le score des roses, mais je suis confiant. Il n'en reste plus qu'un. C'est pour vous, les roses. Les roses, allez, en place. Allez, ça y est, déjà. Il y a mon stress qui est en train d'exploser en moi. Je me dis, mais comment je vais faire? En même temps, j'ai pas envie de pénaliser mon binôme. Là, c'est un gros challenge pour moi. Sarah et Jonathan, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Attention, 3, 2, 1, partez. Go. Allez, Sarah. Allez, Sarah. Comme sur des roulettes, je suis concentré. Je me retourne et je tire, et je tire. C'est bien, mon grand. Allez, on se concentre. Allez, Sarah. Oui, allez, Sarah. C'est parfait, allez. Sarah. Allez, Sarah. Jonathan, quelle rapidité. Allez. Vas-y, je crois en toi. Marvin! Ma rebelote, encore une fois, pour pas changer, c'est toujours le même film. Les roses qui passent, les roses qui font. À la mode omelette, c'est des omelettes, y'a que des omelettes. Allez! C'est maintenant que ça paye, Sarah! Donne tout! Donne-toi! Voilà, merci! C'est bien, force sur les jambes, c'est très bien! Allez! Allez! Cours! Cours! Bravo! Validé. Je suis tellement fier de Sarah. Elle s'est déchirée, elle a tout donné, elle s'est dépassée. Ça présage du bon. On a fait un super score, j'en suis sûr. Des pères nous attendent là-bas. Bravo! Aou, aou! Voilà. Bravo! T'as grave le vertige dans le truc, hein. Les roses, bravo. Merci. Quel beau parcours. Bravo. Merci. Bravo. Ouais. Alors, une question se pose. Quel temps avez-vous fait? Vous avez fait une minute et 52 secondes. On a gagné. Vous êtes troisième. Troisième. Les Blancs, vous remportez cette première épreuve. Oh, Ilona et moi, on est les premiers gagnants de l'épreuve des perles. Ouais, Bouya Chaka. Les apprentis aventuriers, il est maintenant temps pour moi de vous remettre vos perles. Ah, le trésor. Et les Blancs, je vais commencer avec vous. Prenez votre bourse, 30 perles. Je suis très contente d'être arrivée en premier. Et puis on a gagné 30 perles, je vais pouvoir manger. Je vais avoir plein de pâtes et plein de thon et plein de trucs. Et oh, j'ai faim, j'ai hâte. Deuxième, avec 20 perles. Les Bleus, approchez. 1 minute 37. On a 20 perles, c'est bien quand même. Mais moi, je suis un peu dégoûtée qu'Ilan il m'a battue. Je pense vraiment qu'il ne méritait pas cette victoire. Il en a, oui, mais lui, pas du tout. Troisième, avec 15 perles. Les roses, allez, approchez. Attends, on fait notre petit truc, hein. Moi, ça me va d'être troisième. Certes, voilà, on gagne moins de perles que les premiers, mais on en gagne quand même et on prend moins de risques pour les nominations. Mais Marvin, c'est pas grave. On lève la tête, non? C'est pas grave, mon frère, tu te relèves, frère. Si, c'est grave, en fait, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir fait le parcours du combattant d'un jeu de 4 ans. Je suis pas d'accord avec toi. Si, on est là pour faire les guerriers, pour faire une aventure. Oui, je marronne, effectivement. Pas de quoi faire les guerriers, les gars. Vous êtes des lopettes. Donc là, tu dis que nous, on est des lopettes, j'ai pas compris. Les jeunes, approchez, Marvin, c'est bon, hé. Qui, les mecs? Il y a personne qui a eu les de le faire normalement. Marvin, ah, poto, j'ai pas le temps, moi. Ah, c'est bon. Je suis énervé, mais par respect par Moundir, je suis obligé de me taire. Clairement, moi, je l'ai mauvaise parce que je sais que si tout le monde l'avait joué en mode loyal, comme nous, on l'a fait, on serait sûrement arrivé premier. On est arrivé quatrième. Donc déjà, avec la défaite d'hier, je l'ai ici. La défaite d'aujourd'hui, parce que c'est une défaite pour moi, on n'est pas arrivé premier. Je l'ai encore plus ici. Tu montes sur la corde, tu te prends avec les mains des enfants de 4 ans le fond, dans les parcs. Maïva. S'il n'y a pas de quoi dire, en fait. Maïva, qu'est-ce que tu veux dire? On va pas refaire, c'est fini. Vous avez des perles? Oui, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas question de faire. C'est pas grave, ne fais pas ton aventure par rapport aux autres. Fais-la par rapport à toi et à ton ex, ok? Prends sur toi, et un bonhomme, c'est pas celui qui va directement en conflit, c'est celui qui les évite et qui avance pour être le meilleur. Donne l'exemple.
Les gens vont te respecter. Moundir essaye de vraiment nous calmer. Il a raison d'un côté, c'est vrai, mais franchement, moi je suis juste désespérée en fait. Moi j'ai juste faim, j'ai envie de nourriture. J'aurais voulu gagner cette épreuve. J'aurais voulu au moins être dans le top 3. Vraiment, j'ai les boules. Je peux plus supporter personne. Cinquième. Les oranges, approchez les ch'tis. Les ch'tis. Bravo. Allez. Et la soye. Ça, je joue. 5 perles, c'est si assez mérité. Mais non. Merci Moundir, on récupère les 5 perles, on est super contents, on est fiers de nous. Sixième. Ouais. Les rouges, celles qui pleuraient au début, qui avaient peur. J'ai été plus fort que lui. Allez, approchez, approchez. Bravo, 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 bravo. Il y en a combien? Eh, ça peut faire la différence, 3 perles. On peut pas négocier une en plus ou quoi? Bah, allez, arrête. Allez, on négocie pas ici. Allez, bravo. Tous méritent. On récupère seulement 3 perles. Je pense pas qu'on puisse faire de grosses courses, mais je prends sur moi. J'ai pas envie de me disputer avec Greg, même si c'est sa pote. Et enfin, les apprentis aventuriers, Seb. Bravo. Natalia. Bravo, Seb. Bravo, mon frère. Benoît, vous êtes arrivé 7e. Et Seb, tu connais le tarif. C'est 0. Bravo quand même. Bravo. C'est vrai que d'avoir 0 perles, ça fait vraiment très 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 mal. Mais je sais que Ilan a gagné des perles, donc je compte sur sa solidarité de meilleur ami et je sais qu'il va me nourrir. Mes apprentis aventuriers, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour votre première expédition qui vous permet de remporter ma protection pour la cérémonie des votes. Je vous laisse retourner sur votre plage. Reposez-vous bien, à tout à l'heure. Merci, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci, on retourne à la plage, je sais très bien que la tension est toujours présente entre moi et Ilan. J'avoue que je suis un peu plus enragée. Et la protection de mon dir, c'est à moi. Et pour les blancs, allez, allez! En tout cas, bravo tout le monde, bravo! Bravo les sœurs! Bravo tout le monde! Bravo, on s'applaudit bien fort. Bravo. On rentre de l'épreuve des perles avec Ilan. Je suis trop contente. On a gagné 30 perles. On est les premiers. Donc déjà, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au ventre parce qu'on sait qu'on va manger. Comparé à hier, on est enfin récompensé pour nos efforts. Donc je suis très, très heureuse et j'ai hâte que l'épicier il ouvre. You are the best woman in the place. The beach. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu dis ça aux gens après... T'as pas nettoyé ton bordel de ce matin? Oh, c'est bon, arrête. Vas-y, viens, on va ranger les perles. Viens, on va ranger les perles dans le coffre. Là, c'est le désordre. Oui, t'es pas là pour ranger. Mais je suis pas ton chien. Écoute. Il est où le riz et les lentilles, et Ilan? Dedans, dedans. J'avais qu'à... En fait, je remplace le trésor. Tu vas voir. Non. Par un autre trésor. Voilà. Ça sent bon. Ça sent bon, la victoire. Ça fait plaisir de revenir sur cette plage, les perles plein les poches. Et ça y est, c'est moi le plus riche de la plage. Ça me convient bien comme place. Après, tu verras, ce soir, j'irai creuser un trou. Mais Ilan, je les compte. S'il y a quelqu'un qui m'envole, je vais compter toutes les perles de tout le monde et on verra qui c'est. Si, qui on ne prend pas de risques. Fais ce que tu veux. Tu as envie de creuser un trou? J'ai envie cas, de creuser un trou, en là. Tout cas, en tout cas, bien, parce que je veux pas qu'on vienne. Quoi? T'es la meilleure. Ouais, ouais. Allez, j'ai de la chance, c'est tout. Mais non, ça fait 2 fois de suite. Oui, ok, mais... la première fois, une triche. Non, la première fois, j'ai terminé en premier sur la plage, la première fois. C'est ce que je te dis. Mais parce que j'avais peur, parce que je lâchais comme ça. Tu es la meilleure. Ilona, c'est une tueuse. Mais j'en ai jamais douté. Je suis très fier d'elle. Si ça continue comme ça, tout ira bien. Je te vois depuis tout à l'heure avec les larmes aux yeux et tout. Je sais pas, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis blessée. Dès qu'on est atterri là, c'est une autre, complètement une autre personne. Je vois ses yeux, il est bizarre, il dit n'importe quoi. Il n'était pas comme ça. 2 mois, il n'était pas comme ça. C'est comme si c'était une autre personne. Cynthia me fait vraiment de la peine. Je vois qu'elle a du mal. Voilà, elle est blessée, Cynthia. C'est une femme blessée, il faut le dire. Après, Ilan, c'est mon pote. Je le connais. Je sais qu'il aime jouer avec les femmes. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est qu'il les fasse souffrir. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que t'as vu... À la base, je suis blessée. Mais je le vois. Parce que comme j'ai dit, on dirait que pour Ilan, il ne s'est jamais rien passé. Il te calcule pas, il a même pas de peine, il rigole. Pourtant, c'est mon pote, hein. Mais attitude d'un mec, il l'a pas, tu vois ce que je veux dire? T'as même pas d'intérêt à lui apporter, tu vois ce que je veux dire? Il t'en apporte pas. Donc joue la carte de l'ignorance avec lui. Je t'assure, sinon moi je suis morte, je suis à bout à chaque fois. Maintenant j'ai les larmes, toujours j'ai les larmes aussi, tellement je suis choquée. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça de ma vie, Sarah. Jamais.
ça me fait plaisir que quelqu'un ait un peu d'empathie envers mon histoire. J'essaie de tout ressortir de mon cœur et de lui ouvrir mon cœur. Regarde comment ça a commencé. Regarde comment il me parle. Yann, quelqu'un qui t'a aimé, qui est sorti avec toi, il parle comme ça à une femme. Calme-toi. Pleure un bon coup quand t'as envie de pleurer. Ce gars, il va tout faire pour gagner. Il veut toujours être le premier. Et bah, ta plus belle revanche, c'est de montrer que tu abandonneras jamais ton coup de ce matin où tu veux sonner la cloche. Mais jamais. Mais fais pas ça. Mais lui, à l'intérieur, il doit jubiler. Mais fais pas ça. Montre que t'es une gagnante, que t'es là. Quoi qu'il arrive, arrête de pleurer. Ça fait faible. Arrête de pleurer. Ilan m'a fait vraiment mal et Sarah trouve les mots. Je pense vraiment à la protection. Mais pour moi, je veux la gagner pour la fierté plus que tout. Parce qu'hier, on m'a mis par terre. Aujourd'hui, je vais prouver que je peux avoir la victoire. Hey, les gars, on va essayer de faire du feu parce qu'il y a du soleil. Mais attends, faut aller sur la table d'Anto. Anto, on va sur ta table, c'est la plus... Là, c'est bien, là. Ouais, va sur la table. Non, elle bouge, la mienne. Il est temps d'aller faire du feu. Et qui se joint à moi pour l'occasion? Ben, une équipe de choc. Je te jure que je pars pas d'ici tant que j'ai pas fait du feu. Vas-y. On se met tous ensemble parce que j'ai tellement envie d'avoir ce feu, on a tellement faim. Je me fais avec dedans, toujours juste. Vas-y, John, donne-nous du feu, là, s'il te plaît. Tu veux que je tourne? Chantez-moi une musique, ça va me motiver. Allez, Seb, allez, frérot. Les cloques, alors. On décloque, moi, c'est pas vrai. Moi, malheureusement, en tant qu'expert aventurier, c'est la seule chose que je ne connais pas, le feu. Je sais pas comment démarrer un feu. Je chauffe pas de ouf, hein. Je chauffe plus avec ça. Tiens-le-moi, Seb. Mais le Moundir, il peut pas nous envoyer un briquet vite fait, non? Quelqu'un qui a la technique, s'il vous plaît? Y a pas un mode d'emploi quelque part qui traîne sur la plage? Oh, les cloques, je suis en train de me taper. Ouais. T'es aventurier ou pas? Ouais. J'ai essayé pendant des heures, mais on a toujours pas de feu. Moi, j'en peux plus. À part des cloques, j'ai rien gagné. Ça fait deux jours que je frotte. C'est de la merde. Moi, je te dis, aujourd'hui, dans l'état actuel, je veux aller en finale avec Seb et vous. J'ai eu un petit coup de cœur pour les Rouges, Greg et Maïva, je les adore, et j'ai envie qu'ils viennent avec nous en finale. En plus de ça, Seb et Maïva, ils s'aiment bien, c'est une alliance parfaite. Et on se dit un truc là, et si un jour, admettons, au dernier moment, bah forcément, il faudra peut-être sauter un jour une équipe avant la finale. On sait pas comment ça va évoluer l'aventure. Je dois le faire, tu me le dis, je t'en voudrais jamais. Mais je viendrai te voir, mon frère. Moi, je t'explique, y a pas plus franc que moi. Moi aussi. Ilan, je vais lui faire confiance. J'espère juste un truc, il trahira pas notre alliance. Parce que s'il commence à trahir notre alliance, moi, je vais pas rigoler du tout. Il est temps de se préparer pour l'épreuve de qualification pour partir en expédition. J'aimerais avoir la chance de gagner la protection de Moumoun. J'ai vraiment envie de tout donner pour gagner. Allez, c'est bon. Allez, vamos. Les gourdes, elles sont remplies. Cette épreuve de qualification, elle est importante parce que si on la gagne, elle va pouvoir nous permettre de partir en expédition. Et si on gagne l'expédition, on a la protection. Et la protection, ça veut dire que t'es tranquille pendant une semaine. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le moment de partir à cette nouvelle épreuve qui est capitale. On va tout donner, on va gagner cette protection de Moumoun. Et que le meilleur gagne, en fait. Hein. Ouais, que le meilleur gagne. On est les meilleurs, on gagne tout. Bonjour les apprentis aventuriers. Salut Moundir. Allez, approchez. Et pour Moumoun, allez, allez. Pour Moumoun, allez, allez. Eh ben, je vois que ça va mieux que ce matin. Oui, on est en forme. On arrive sur la plage, c'est l'heure de l'épreuve de qualification pour partir en expédition et pour gagner la protection de Moumoun. Et là, je revois encore des poutres. Je me dis, bon. C'est tout poutre, en fait. Moi, l'équilibre, ça fait deux. Comment je vais faire? J'en sais rien. Bonjour, mes apprentis aventuriers. Alors, comment ça va depuis cette magnifique épreuve du parcours du combattant? Les blancs, Ilona, Ilan, les gagnants. Alors, ben, j'attends que tu ouvres l'épicerie, hein. Ah. Eh ouais, maintenant qu'on a de l'argent, faut aller le dépenser un peu, hein. Les bleus, comment ça va? On a 20 perles, on est très heureux. On a hâte pour la prochaine. J'ai été deuxième dans la première épreuve de cette journée. Cette fois-ci, je suis prête. Toute la rage que j'ai pour Ilan, je veux m'en servir
tout donné. Mes apprentis aventuriers, alors, est-ce que vous avez tous essayé au moins de faire du feu? Les garçons, ils sont musclés comme ça, mais ils servent à rien, ils font pas de feu, mon Dieu. Ah ouais, je suis d'accord. Ah bon, ils font pas de feu. On est en galère avec le feu, mon Dieu. On a trop faim. Aide-nous, s'il te plaît, donne-nous des conseils. Mais je sais là, pas. Le feu, c'est une galère. Mon Dieu, il me manque un élément. J'ai frotté, mais j'ai pas le gravier pour la friction. Alors, il faut continuer. Il faut aller plus vite et plus fort. On s'en occupe, mon Dieu. On fait pas l'aventure à moitié. Le feu est toujours pas là, c'est pas grave. On verra dans les jours à venir. Là, tout de suite, je suis très concentré sur l'épreuve à venir. Si je veux avoir une chance de gagner la protection de mon Dieu. Mes chers apprentis aventuriers, écoutez-moi s'il vous plaît. Chaque semaine a lieu l'épreuve de l'expédition. Et seules deux équipes auront la chance de pouvoir se qualifier et tenter de remporter ma protection pour votre cérémonie. L'équipe qui obtiendra ma protection sera, quoi qu'il arrive, protégé et intouchable. Personne ne pourra voter contre eux. Alors un bon conseil, s'il y a bien une épreuve à gagner, c'est bien celle-ci. La pression. Cette protection-là, on a vraiment besoin de la gagner parce que nous, bah, pour l'instant, on est les plus faibles. On est ceux qui ont rien. Donc là, vraiment, il faut qu'on donne tout. Même si c'est difficile, on ne peut pas se louper. Alors pour savoir quelles sont les deux équipes qui vont pouvoir se qualifier et partir pour l'expédition, eh bien rien de plus simple. On va immédiatement procéder à une épreuve de qualification. On va pas se cacher, je pense qu'avec tout ce qui se passe sur la plage, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui voudront nous éliminer. Donc cette nouvelle épreuve est capitale pour gagner le droit d'aller en expédition et peut-être gagner la protection de Mundir. C'est super important. Allez mes apprentis aventuriers, écoutez bien. Derrière moi, des poutres aux couleurs de vos équipes sur lesquelles vous allez devoir tenir en équilibre. À mon top, il va falloir se positionner sur les poutres. Mais ce n'est pas tout. Je l'aime trop. Vous allez devoir tenir dans vos mains un plateau de bois sur lequel est empilé des pièces de bois. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Alors vous l'aurez compris, mes chers apprentis, les pièces de bois ne doivent pas tomber. Et vous aussi. Les deux personnes qui resteront le plus longtemps sur la poutre avec leur plateau intact qualifieront leur équipe et partiront pour l'expédition. Il est clair et net qu'il faut qu'on gagne cette qualification. Il faut absolument qu'on ait la protection. Ça va nous donner un petit coup de peps et on va regagner un petit peu de confiance en soi. Et on en a vraiment besoin. L'épreuve de qualification fera appel à votre sens de l'équilibre et surtout de votre mental. Et c'est un seul membre de chaque équipe qui va pouvoir tenter sa chance. Et aujourd'hui, eh ben les filles, c'est pas vous. C'est bon. Lan. Ah, j'ai la pression, moi. C'est pas grave, stresse pas. Tu sais ce que tu fais? Tu regardes en face, tu écoutes personne. Tu fermes tes oreilles et tu me regardes. Pour moi, quand on est sur une épreuve, il faut savoir laisser les rancœurs de côté. Donc, j'essaye de motiver Ilan le plus possible parce que je sais qu'il est capable, mais je sais qu'il a besoin de motivation parce qu'il est très fort, mais il faut que le mental suive. Donc, pendant l'épreuve, je vais rien lâcher, je vais essayer de le soutenir et puis on verra si ça fonctionne. Les garçons! C'est vous qui avez la lourde responsabilité de qualifier votre équipe pour l'expédition. Bon. Écoute-moi. Tu fixes un point, tu respires plus et tu lâches plus ce point. Ça va, ouais. Alors montre-moi de quoi t'es capable. Ouais, c'est bon. C'est une surprise, moi. Ouais, je te jure une belle surprise. Je suis pas bien. Je suis dans le mal total parce que je suis pas équilibré du tout. Donc du coup, voilà, je pense que ça va être très compliqué. Mais on va essayer de faire le maximum quand même. Je t'explique. Tu respires doucement. Ne stresse pas. Comme ça. Allez, ça va. Allez, tu es fort. Tu es fort, Greg. Moi, j'essaie de donner des conseils à Greg. Mais alors déjà que Greg, il ne sait pas tenir en équilibre sur le parterre parce qu'il a les pieds plats. Alors là, avec un plateau, je pense que c'est vraiment pas gagné pour nous. Franchement, je suis pas du tout optimiste. Mais bon, je lui donne sa chance et j'encourage. Les garçons, tout repose sur vos épaules. Moi, je crois en toi. C'est vous qui avez la pression aujourd'hui. Alors je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas, avoir ma protection, c'est être confortable à la cérémonie et pour la continuité de votre aventure. Bloque le vent avec ton dos. T'inquiète. Regarde, le vent vient. T'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai déjà pensé à tout ça, t'inquiète pas. Est-ce que je peux parler? Ne t'inquiète pas, je vais être dans ma bulle, je vais être concentré. S'il te plaît, quand je suis sur la poutre, ne me parle surtout pas. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va créer dans mes oreilles. Au contraire, ça va me déconcentrer plus qu'autre chose. Les garçons, est-ce que vous êtes prêts? Oui. En place. Allez, viens. C'est
C'est parti. J'aide Seb à se placer sous sa poudre, à voir comment il a son équilibre, comment il se sent, est-ce que ça va. Parce que là, on a un vrai but. Sachant qu'on a été dangereux à cause de moi la dernière fois, il faut absolument qu'il reste concentré. Les apprentis en dessous, est-ce que vous êtes prêts? Attention. Je vais tomber. 3, 2, 1, lâchez les filles. Lâchez les filles sous les drapeaux. Elle est à peine partie, Maïva, que je commence à trembler. C'est pas possible. Il faut absolument que je tienne. Il faut pas que je perde. Juste pour elle, il faut que je réussisse. Oh, oh merde. Les jeunes, main vide, éliminés. J'ai horreur de perdre. J'ai une vraie fierté. Mais perdre devant Maïva, c'est horrible. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens une loque. Genre, j'ai même pas envie de la regarder, en vrai. Je suis dégoûté. Alors vous êtes encore 6, pour uniquement que 2 places. Regarde la tête de Shogun, il est concentré grave. Allez, fixe ton point, fixe ton point. Je sens Vincent plutôt très stable. Il est hyper concentré, il ne bouge pas d'un poil. J'espère vraiment qu'il va durer un maximum de temps sur la poutre, donc je croise les doigts, j'ai confiance en lui. Attention, ça bouge chez Greg. Chut. J'essaye de tenir sur la poutre, je me vide la tête, j'essaye de fixer un point. Mais moi, je suis un garçon, je suis hyper actif. Donc du coup, voilà, je bouge beaucoup, pire qu'une sauterelle. Je me rattrape une fois, je me rattrape deux fois. J'ai le plateau dans les mains qu'il faut qu'on contienne aussi. C'est vraiment très, très, très compliqué pour moi. Ah, hop, Greg éliminé. Mon vieil. Greg, sous ton drapeau, s'il te plaît. J'arrive pas. C'est pas grave. J'arrivais pas, moi, il y a quelque chose que je disais. C'est pas grave. J'ai pas réussi à me caler. Je suis dégoûté. Maëva, je la vois deg aussi, elle aurait aimé que je gagne, mais voilà, j'ai pas gagné. On n'a pas gagné, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Pour l'instant, vous êtes plus que 5. Ne bouge pas, Ilan. John, t'es au top. Respire, t'es très bien là, c'est parfait. Tu ne bouges pas, tu es une pierre, tu bouges pas. Ça devient difficile, les minutes elles passent et ça devient de plus en plus compliqué. Ça fait mal dans les jambes, je commence à avoir des crampes, je me sens pas bien, je commence à avoir des sueurs au front. Je sais pas comment je vais faire pour tenir encore plus longtemps. Attention, ça bouge chez Anthony. Yes. Wow. Pour retrouver l'équilibre comme ça, bravo. Anthony, je vois qu'il bouge un peu, je me dis, oh là là, il va tomber. Mais bon, après, il se rattrape. Je le regarde, il est très concentré. Je décide même pas de bouger pour ne pas concentrer son champ de vision. Parce que cette épreuve, c'est vraiment la concentration. Fixe un point. Fixe ton point, ne bouge pas. Oh, c'est fini. Ah, ouais, c'est pas grave. Dommage! Allez, Vincent! C'est pas grave, ça! Ils sont forts! Allez, viens! T'es pas tombé le premier, Vincent! Ça me gave! Je suis déçu! Et quand je vois les autres, là, je suis pas content! Ils sont forts et j'aurais pu être comme ça! Voilà, ça me gave! Vous êtes 4! Il n'y a que 2 places pour l'expédition! Non! Dommage, Jonathan! C'est pas grave! Regarde, il reste personne. T'inquiète. Vous n'êtes plus que 3! C'est un combat de titans! Attention! Ça bouge chez Anthony, un petit peu chez Seb. Par contre, c'est l'immobilité totale chez Ilan. Détends-toi, tu es très bien, Seb, continue. Le truc, c'est que Ilan, c'est Bouddha, il ne bouge pas. Anto, il y a des moments où il bouge un peu, mais il a l'air assez solide. Donc là, Seb, j'espère sincèrement qu'il va tenir, parce qu'il suffit d'une seule seconde pour que quelqu'un tombe, et c'est bon, on y va. Donc, je stresse, j'ai la boule au ventre, je suis en train de regarder tout le monde, je suis en suspense, qui va tomber, qui va pas tomber. Et Ilan! Wouh! T'es immobile, tu l'écoutes pas, t'es pas là. Bah quoi, elle encourage son ex? En regardant les garçons sur les poutres, j'arrive pas à m'échapper d'Ilan. J'ai envie de me venger, j'ai tellement de haine, il fait sortir quelque chose à moi. J'ai envie qu'il se loupe, j'ai envie qu'il tombe, j'ai envie qu'il rate son épreuve. Et même si c'est contre mes principes, je décide de le déconcentrer. Ilan, tu bouges pas, Ilan, t'es pas là. Je t'aime, mon cœur. C'est du mauvais perdant.
tiens, au moins pour lui prouver qu'elle a tort. Tu bouges pas. Là, franchement, mais le démon. Là, Sinja, elle m'énerve, mais vraiment, vraiment beaucoup. C'est quoi cette mauvaise foi, en fait? Si tu veux te venger d'Ilan, tu fais ce que tu veux sur la plage. Mais là, ça veut dire que tu veux que notre équipe, elle perde. Ça veut dire que tu veux que je perde. Moi aussi. Et je comprends pas, en fait. Bouge pas, Ilan, c'est bien, c'est parfait. Ça fait 10 minutes déjà. Écoutez bien. À mon top, vous allez lâcher la main au-dessus des pièces de bois. Attention. 3, 2, 1, lâchez. C'est une place pour l'expédition. Bouge pas, Ilan, bouge pas. Seb, concentre-toi. Qui va remporter ma protection et sera protégé quoi qu'il arrive lors de la cérémonie? Attention, Anthony, faut pas que l'autre main touche, hein. Ça commence à devenir très, très dur. Si les rondins de bois tombent, on est éliminé. Et là, je commence à voir les rondins de bois qui commencent à bouger en même temps. Je commence à flipper. Et là, j'attends au maximum. J'attends, j'attends. Je bouge pas, j'attends que les autres tombent. Pour l'expédition. J'explose de joie, je suis comme un fou. Merci encore, une nouvelle victoire. Je me sens bien, on se sent bien. Maintenant, prochain objectif, c'est l'expédition. Nous sommes qualifiés, les bleus et les blancs, on part en expédition. Je suis super étonnée, je suis super fière. Ilan, il m'impressionne vraiment, j'ai un très bon binôme et je suis très très contente d'être avec lui. Dommage, Seb. Bravo, Seb, bravo, Seb. Moi, je suis très fière, ma vie. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je suis dégoûtée, mais au moins, Ilan, il part à ma place et je suis fière de lui, il mérite amplement et j'espère que lui va gagner la protection de mon dieu. C'est pas bien ce qu'elle a fait, frère. Hein. Qui? C'est pas bien ce qu'elle a fait. Hein. Qui ça? Elle s'est mise déconcentrée, frère. T'entendais pas, Cynthia? Elle disait, allez, Ilan, vas-y, Ilan. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Ilan. Ah non, déconcentrée d'un poil. C'est une folle. Mais dis-lui, ne le fais pas d'abord. Ne lui parle pas, pas toi. Tu lui parles pas. Tu lui parles pas. On va la ruiner sur l'épreuve, c'est tout. Moi, je suis hyper fair play avec tout le monde. Quand je gagne, je reste super humble. Et Cynthia, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas loyal. Elle m'a, elle essaie de me déconcentrer. J'essaie de crier plus pour que t'entendes comme un. C'est que tu lui fais peur, t'en as rien. Non, c'est petit de faire ça. C'est trop petit de faire ça. C'est pas bien. C'est pas grave. C'est une vicieuse. Tu sais comment ça met dans la tête. Je vais te voir mes yeux là. Ça te met un coup de chaud, frérot. Non mais ça fait un moment que je l'ai vu, moi. J'ai pas compris. Ah ben moi je vais te voir aujourd'hui là maintenant. C'est très grave, vicieuse. Moi je pense que Cynthia, c'est une lâche. Elle s'est mise dans la mouise et puis elle cherche la facilité. C'est tout. Faut qu'on gagne. Faut qu'on gagne. Mais là c'est une question de fierté là. Je perds, je pète un plomb, je te le dis, de fierté. C'est une vicieuse. C'est une question de fierté, là, si je perds, hein, je te le dis, c'est pas seulement l'immunité, c'est la fierté. Hein. Cynthia, elle a essayé de nous déconcentrer tout le long, elle a essayé qu'on perde. Moi, je suis pas comme ça, et on va gagner juste pour lui prouver qu'elle est plus nulle que nous. Juste pour leur prouver qu'ils sont bidons comparés à nous, c'est nous qui allons gagner. C'est tout. Les bleus, les blancs, félicitations. C'est vous qui partez pour l'expédition. Vous êtes restés plus de 10 minutes sur la poutre. Vraiment bravo à vous. Merci. Cynthia a quand même cherché un peu Ilan sur l'épreuve. Donc là, cette protection de Moudir nous ferait vraiment un grand bien pour dormir tranquille. Les roses, les oranges, les noirs, les rouges et les jaunes, vous êtes tombés aujourd'hui sur plus fort que vous. Il est temps pour vous de regagner la plage et je vous dis à bientôt. À bientôt, Moudir. Ciao. Bonne chance, donnez tout. Merci, c'est gentil. Démontez tout. Courage, chérie, déchire-toi. Gagner la protection de Moundir, ça serait quand même énorme parce que c'est la première expédition. Surtout là, face au bleu, j'ai la hargne parce que je me dis que jamais, avec ce qu'elle m'a fait depuis 3 jours, alors que moi je l'apprécie, je suis tellement déçue, jamais je laisserai passer. Donc je suis très très énervée, j'ai la rage de vaincre et j'espère vraiment que je vais y arriver. Les bleus et les blancs, il est temps pour vous de partir en expédition et de peut-être remporter ma protection pour la cérémonie des votes. Les bleus, les blancs, c'est parti, suivez-moi. Devoir affronter les blancs, surtout Ilan en expédition, cette fois-ci, je suis prête. Je n'accepterai pas une perte. La victoire, c'est au bleu. Les bleus, les blancs, bravo pour votre sélection. C'est amplement mérité. Merci. Vous allez maintenant pouvoir gagner ma protection si vous remportez cette expédition. Je suis super confiant pour cette expédition. Cynthia a essayé de me déconcentrer à la dernière épreuve. C'est pour ça qu'il faut que je donne tout pour pas leur donner la victoire. Ils ne la méritent pas.
les bleus et les blancs, voici les règles de votre expédition. Devant vous, des harnais reliés l'un à l'autre. Dans quelques instants, vous allez avoir les yeux bandés et vous allez devoir vous aventurer dans la jungle qui est derrière moi en suivant ces cordes. Au bout de ces cordes, écoutez bien, se trouve un trésor. La première des deux équipes qui découvre ce trésor et qui revient en suivant le même chemin que l'allée avec ce trésor remporte ma protection et quoi qu'il arrive sera protégé pour la cérémonie des votes. Attention, sur ce parcours, il y a des obstacles. Alors un bon conseil, ne vous précipitez pas pour rien. Avec Cynthia, on a du mal des fois à se comprendre et je pense qu'il faudra vraiment se faire confiance l'un de l'autre et marcher ensemble et coordonner tous les deux pour rester bien concentrés. Mais bon, ça va être une grosse épreuve, on doit prendre sur nous et on doit aller à 100%. Je pense qu'en fait, ça va juste être une question de cohésion. Mais je sais que Ilona et moi, on est comme les deux doigts de la main, donc ça devrait le faire. Est-ce que c'est bien clair chez les bleus? Oui. Chez les blancs, est-ce que c'est bien clair? Mettez vos harnais et en place. Après avoir écouté les règles de Moonjir, il est temps de nous équiper. Je me demande comment on va se positionner sur la corde. Ilan décide de prendre l'initiative de tenir la corde et que moi je le suive. J'accepte, on se bande les yeux et c'est parti. On attend que Moonjir nous donne le top départ. Qui va être protégé pour la cérémonie des votes? C'est la première cérémonie, la première protection. Attention, 3, 2, 1, go! C'est parti! J'accélère. Très vite, je me rends compte qu'en fait, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas du tout où on va. On s'aventure dans l'inconnu total. C'est bien. Tu vas? Ouais. On trouve une petite difficulté à marcher tous les deux dans un même rythme et en tenant le même fil. Lui, il part d'un côté ou moi d'une autre. Attention aux obstacles! Attends. Je tape ma tête. Là, c'est une très grande complication. Ça vient de commencer et ça va être dur pour moi. C'est bon, c'est bon. Allez. Je suis fait. Je sais, ça va. Attends, je descends. Oh là là, t'as dû passer en dessous, je sais pas. Les fils commencent un peu à s'emmêler. Cynthia, bah, elle commence un peu à se prendre, je pense, la corde, en fait, des harnais dans la petite haie. Je me dis, on perd du temps, donc bon, là, je commence un petit peu à m'énerver intérieurement. Suis-moi, allez. Partie douce. Ne bouge pas le fil. On va courir un peu. L'un de nous deux doit lâcher le fil. On décide que Anthony, il prend le contrôle. Moi, je lâche le fil et je suis Anthony. Là, moi, j'ai les mains devant moi. J'ai vraiment pas envie de taper ma tête dans un tronc d'arbre ou dans un autre poteau. Qu'on arrive dans la jungle, je fais rien, c'est lui qui décide, je le suis, je lui fais confiance, bah, les yeux fermés pour le coup, parce que du coup, bah, j'y vois rien, et je le suis, et je me dis, bah, écoute, on verra bien comment ça va se passer, fonce, tu verras. À un moment, j'entends les bleus et je dis à Ilona de se taire, chuchoter, parce qu'en fait, je veux pas que eux ils sachent où on est sur le parcours. Moi, je sais qu'ils sont derrière, mais je veux pas que eux ils sachent si on est devant ou pas. T'as toujours la fille? Oui. C'est sombre, hein. Attends, je cours. Si je vais courir à fond, je vais manger un arbre. J'essaie d'aller le plus vite possible, mais bon, d'un côté, je vois rien. Je sais pas du tout où je vais. Allez. On sait, moi. Elle me plantait, je ne sais pas où on arrive, en fait, on n'a pas vu le trajet. On est tellement stressé, moi et Anthony, on n'entend plus les blancs. Mais je me dis, je ne lâche pas. Je veux arriver, la protection, c'est à moi. Je pense qu'on est pas mal. Ça devrait être pas mal. Je pense que c'est ça. C'est le trésor? Je touche une petite statuette et j'ai l'impression d'avoir trouvé le trésor. Donc, Ilona et moi, on fait un demi-tour. C'est le moment de retourner sur la plage, direction Moonjir. Et là, je cours, je suis trop content. J'entends pas les bleus, donc ça veut dire que j'ai gagné. Je viens de gagner la protection de Moonjir. Bouh, la chaka. Attention!
Mais qui a gagné cette expédition? Jen? Qui a la protection mondiale? Alors je suis désolé. Ah. Ça jamais. Ah ouais? Ça règle le problème. Il y a plein d'amour dans l'air, tu sais. Ah bon? Waouh! Tu veux qu'on aille parler tous les deux, Vincent? Oh. Allez, viens. Salut! C'est pas ce que tu veux, tu passes pas de temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu passes pas de temps. J'en peux plus. Ah. Si tu la kiffes, tu me regardes, je me dis écoute, Maëva, je la kiffe. Tania! Moi, j'ai envie de me faire draguer. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Va. Greg? Oui. On peut parler? Tu veux parler avec moi? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a, la Z? Je le supporte plus. Arrête un peu, tu le sais très bien que t'as un beau physique, tout ça. Je t'aime bien, toi. Non, mais je savais pas. Depuis le début, j'arrête pas de le regarder en secret. C'est grave! Et je le trouve très très beau. Donc si t'es pas content, on se casse. C'est fini. Ça y est. Ciao.